Bien-aimés, je suis le prophète Stéphane. Je viens par cette vidéo vous souhaiter une bonne, heureuse année 2015. Durant notre réveillon dénommé Nuit d'impact prophétique, nous avons traité un thème: la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si en 2014 j'étais dans la disette, je viens t'annoncer qu'en 2015 tu sors de ta disette. Si en 2014 tu étais malade, je vais t'annoncer qu'en 2015, tu rentres dans ta guérison. Si en 2014, tu étais dans un découvert et tu ne connaissais pas autre situation que le découvert, je vais t'annoncer qu'en 2015, tu ne connaîtras plus le mot découvert. Si en 2014, tu étais célibataire, je vais t'annoncer qu'en 2015, tu rentres dans ton mariage, tu sors de ton célibat. Si en 2014, tu étais malade, je vais t'annoncer qu'en 2015, tu rentres dans ta guérison. Si en 2014 tu étais opprimé, je vais t'annoncer qu'en 2015 tu sors de ton oppression. Si en 2014 tu as vécu des situations négatives, je viens t'annoncer qu'en 2015 tu sors de ta situation négative pour rentrer dans des situations positives. Si en 2014 tu n'as pas connu l'amour, en 2015, l'Éternel te révèle l'amour. Alléluia. Je viens encore vous exhorter pour vous dire, attachez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Il est la seule solution à toute situation. Il est spécialiste des cas impossibles. Il ne vous décevra jamais. Le Seigneur ne m'a jamais déçu. S'il ne m'a jamais déçu, c'est qu'il ne pourra pas vous décevoir. Accrochez-vous à Jésus. La Bible dit que non, ce n'est pas le malheur que j'ai prévu pour vous, mais un plan d'espérance. Donc Dieu ne prévoit pas le malheur, mais il prévoit l'espérance, à condition qu'on s'accroche à lui. Jésus vous aime. Il a prévu de bonnes choses pour vous. Dieu ne pense pas malheur. Dieu ne pense pas destruction pour ses enfants. Il pense bénédiction. Bonne heureuse année à vous tous. Nous vous aimons. Jésus vous aime plus. Merci aux partenaires du ministère d'évangélisation mobile. Merci aux bien-aimés de l'Église en suivant le pasteur, Centre Chrétien Alliance Royale. Merci aux personnes qui nous soutiennent, qui nous aiment, qui croient en notre destinée. Vraiment, je tiens à vous remercier pour les victoires qu'on a eues en 2014. Et je crois qu'en 2015, on va vivre encore de plus grandes victoires. Merci aux enfants spirituels des États-Unis, du Gabon, du Maroc. Oh oui, merveilleuse équipe au Maroc et en France et dans les nations des personnes qui croient en nous. Bonne, heureuse année 2015. Alléluia. Ciao.